Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur donc la télékinésie. Donc ça faisait longtemps et à la fin de la vidéo je vous parlerai un petit peu de l'actu de la chaîne. Donc voilà, je vais vous présenter déjà ce qu'on peut faire. Oh mon dieu, des vaches! C'est horrible. Mais oui, petit toi. Si tu souhaites les déplacer, tu peux tout simplement appuyer sur R2. Bouger le stick et hop là, vas-y que je te bouge. Je suis ton père, oui, dégage. Allez toi, oup, tu dégages, toi, toi. Ah bah non, ça c'est des têtes. Les têtes ne sont pas affectées. Bizarre. Toi, le corps de vache, dégage. Donc voilà, enfin c'est assez simple. Et donc on va le créer ensemble, hein, tout simplement. Donc, je me remets ancré. Enfin, on est déjà ancré, mais ça marche aussi bien en mode jouer, hein. Ne vous en faites pas. Et c'est donc juste ça. C'est vrai. Enfin, vous voyez, c'est pas très complexe. Non. Ah. Pardon. Allez, reviens, reviens. Ok, allez, hop, voilà. Et donc, ce n'est pas vraiment complexe, hein. C'est même plutôt simple. J'ai même rajouté un petit son, mais je filme que le son de ma voix et pas le son du jeu. Parce que voilà, il y a certains sons qui sont dérangeants. Donc, je vous explique. Ça, c'est un détecteur de joueurs. Ouais, truc de ouf! Donc, ça va détecter quand est-ce que la vache, enfin, quand Marguerite, notre amie Marguerite, est assez proche d'un joueur pour que ses pouvoirs de télékinésiste puissent la faire bouger. Parce qu'avec son gros cul, c'est pas qu'elle nous gêne, mais quand même un petit peu. Et donc, ça doit. C'est aussi un détecteur de clé magnétique inversée qui va. En fait, dès que la bête. Enfin, dès que la vache va bouger, elle va activer une clé magnétique bleue. Enfin, turquoise. Oui, turquoise. Qui va donc dire aux autres vaches qu'elles ne peuvent pas être déplacées. Parce que sinon, ce serait trop pété. On pourrait déplacer. Un troupeau de vaches, rien qu'en bougeant les petits doigts. Non, je veux bien qu'on soit pété, mais ça a des limites quand même. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait R2 enfoncé et qu'avec le joystick droit, on déplace bah, nos petites vaches. Et donc voilà. Donc on va le créer tout de suite ensemble. On prend donc notre amie Marguerite. Voilà, Marguerite la vache. Comme tu es belle, Marguerite. J'ai envie de pleurer. Bon, bref, je vais te déplacer, rien que par la pensée. Donc, on pose une puce sur l'objet en question, parce que ça fonctionne avec n'importe quoi. Par contre, après, faut éviter de mettre des masses trop grandes. Ça peut marcher, mais faut y aller. Donc, clé magnétique. On prend, c'est donc le code couleur, c'est turquoise. Voilà. Ensuite, on prend un capteur de vitesse qui va donc signaler à la clé magnétique quand elle peut s'activer ou pas. On met vitesse maximale 2 et toutes les directions. Ensuite, voilà, on les relie ensemble. C'est bien une turquoise? Oui, c'est une turquoise, c'est parfait. Ensuite, on prend. Un détecteur de joueurs. Quoi d'autre? Un détecteur de clé magnétique qu'on va inverser. Hop, on met portée de détection maximum infinie. Là, pour le détecteur de joueurs, je vous conseille 45. Parce que sinon, c'est vraiment trop juste. La vache, elle est lâchée en plein vol trop tôt, et du coup on peut pas bien les mettre où on veut. Aussi ça peut être très intéressant dans une optique de gameplay, pour un niveau de plateforme quelconque, faites comme vous voulez. Ensuite on prend une hand gate. Voilà. Viewp. Viewp. Voilà. Et on place maintenant une autre puce, tiens, c'est original. One microchip,
comme mon pseudo, ouhou, qui a changé, je vous le rappelle. J'ai même publié une toute petite vidéo montée en 3 secondes parce que j'étais pas chez moi, j'étais à la Clusaz en Haute-Savoie. Il n'y a pas de PS3, mais il y a du reblochon, c'est moins fun. Et donc, voilà. Enfin, il y a quand même accès à des ordinateurs, c'est même hors de prix, c'est du vol. Enfin, remarque, on s'en fout. Donc, on a donc notre continuateur qui est sur une puce. Si on laisse comme ça, il va rien se passer. Donc on place un mécanisme d'antigravité, résistance à l'air, 50%. Et donc, vu que ce continuateur est placé sur une puce qui elle-même est reliée, donc il n'est pas activé en permanence, le continuateur non plus. Et donc ce continuateur, on va le relier, on va le régler comme contrôle à distance récepteur et contrôlé par le joueur le plus proche. Voilà. C'est ça qui va créer l'effet de télékinésie. Ensuite, bah, on peut faire ça pareil mais avec des sacs-bottes. Et du coup, ce sera pas avec par le joueur le plus proche, mais une autre fréquence de contre-ordinateur que vous aurez ou d'où vous aurez placé un transmetteur sur votre boîte. Donc, on prend maintenant tout de suite comme ça mode fast. Là. Ouh, eh. Là. Dans les logiques simples, une AND gate. Ensuite, on va prendre. On va la copier. Tiens. Pour le fun. Non, c'est pas pour le fun, c'est pour le circuit. Un peu de respect. Donc, le joystick droit sorti droite-gauche et le joystick droit au bas. Ensuite, on prend le R2 et on le relie aux deux entrées. Voilà, c'est nickel. On prend ensuite un déplaceur avancé. Vitesse maximale, j'aime bien mettre 8, c'est bien. Accélération 100%, décélération 100%, ça c'est très important, sinon notre télékinésie, on est aussi précis que. Comment je pourrais donner une image? D'essayer d'écraser une mouche avec une poêle. On est aussi précis que ça. Enfin, remarque, vu que moi une poêle c'est gros, c'est pas forcément besoin de précis. Mais bon, bref, je m'embrouille. Donc voilà, le système est terminé. On va le tester direct. Voilà. Donc là, les deux sont détectés. Il y a un joueur et aucune des autres vaches ou des objets qui ont cette puce ne sont déplacés en ce moment même. Donc si j'appuie sur L2, R2, pardon, oups, voilà. Oh, reviens à toi. Ouais, c'est bon, ça marche. Pardon. C'est juste Marguerite la vache qui fait un peu bugger le jeu, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai rien fait. You rest. Voilà, donc il y a des petits bugs des fois, hein. Je vous le dis, c'est Marguerite. Voilà, ça le fait pas avec les autres. Ah mais non, je sais pourquoi. Ok, bon, c'est con. Pardon pour ce fail, hein. C'est donc le continuateur. On doit aussi relier R2. Voilà, au mécanisme d'antigravité. Forcément, ça c'est mieux. Voilà. Donc, bah, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées de gameplay, tout ce que vous voulez. J'ai aussi un nouveau micro qui, j'espère, ne rajeunit pas ma voix comme l'ancien, parce que l'ancien, on avait vraiment l'impression que j'avais 3 ans. Mais non, 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 je n'ai pas 3 ans, c'est incroyable. Et donc voilà. Ensuite, concernant l'actualité de ma chaîne. Comme vous l'avez vu, je commence à faire des trucs montés, comme un cheval. Donc avec des intros. Et bientôt des miniatures personnalisées parce que j'ai un petit problème avec le partenariat de YouTube. Et donc voilà. Ensuite, je tiens à. Ah oui, et aussi je vais faire des tutoriels. Enfin, des tu. Oui, pardon, des tutoriels comme ça avec un texte, bah, comme j'ai là. Enfin, c'est plus des mots-clés qu'il faut pas que j'oublie. Parce que voilà. Après, sinon, on va passer à la partie dédicace. Car oui. Car oui. Oui, je dédicace, oui. Donc,
Vous voyez, ça, j'ai plein d'amis et j'ai aussi plein de messages très gentils qui me font super plaisir. Donc, Babaplay, je sais pas qui c'est. Non, c'est moi. Ça, c'est moi. Babeuse, c'est un copain IRL. Oh, voilà. On commence avec Réatami. Ou Réat. Enfin, Ré. Ouais, bon, on va dire Réatami. Donc, je le salue. Il est très gentil aussi. Il a publié plusieurs commentaires et messages. Me disant bravo, merci, j'adore tes tutos. Ça aussi, ça me fait très plaisir quand quand y a des messages sur mon Facebook. Eh ben oui, tiens, le Facebook de la page a été créé. Elle ne se nomme pas Microchip Bot, mais Babaplay Forever. J'ai pas eu le temps de changer. Enfin, parce que j'ai créé ma page Facebook avant que je change de nom, donc c'était pas pratique. Voilà, donc rien de mis, je te remercie. Après, XX Altei XX, je te remercie aussi. Il est très gentil. Et on a fait. Et il m'envoie aussi des messages sympas, des commentaires encourageants. Voilà. Zbox59, il était très gentil aussi. Ça a été un des premiers à me dire qu'il kiffait mes vidéos et qu'il voudrait faire des vidéos avec moi. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Après, mention spéciale quand même à Flamajou et le Grand Testeur, qui eux, franchement, oh, ils sont tellement gentils. Ils m'ont envoyé des super messages et tout. Je les remercie beaucoup. Dark Death, bah, ça c'est mon ami de toujours. Arnold, je ferai bientôt une vidéo avec lui. Et aussi quelqu'un qui s'appelle Guignol Gamings, je ferai aussi une vidéo avec lui. Ensuite, Kirby, c'est quelqu'un du forum. Et donc voilà, et Cactus. Voilà. Enfin, Cactus, ça fait longtemps. Et donc voilà, merci à toutes à toutes ces personnes-là. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, je tiens à le souligner. Merci beaucoup. En plus, on est 37 abonnés, wouhou, c'est génial! Non mais vous vous rendez compte? Presque 40 personnes me suivent. C'est vraiment super, merci beaucoup. Bon allez, je vous laisse parce que la vidéo commence à durer longtemps et je veux pas que l'upload soit trop long. Allez, bye les gens, salut!